J'ai envie de se taper Beat Monumental là. Il a écrit sa propre histoire. C'est ça, je sais pas pourquoi j'ai envie de le voir. Enfin, c'est pas, je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me Non, mais vous suis. pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les Non, gens. non, même pas. Je dis, Non, c'est pas tiens, vrai, c'est le plus écrivons gros des mythe blagues avec d'Internet. des copains et tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire. Et Ah, en fin c'est de trop compte, fou le classique. cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait. Hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Vous savez, en fait, pour moi, les flops, c'est un peu comme les titans. Les titans, ils existent. Les titans, ils existent. Mais il y en a eu un. Par qui tout a commencé plutôt? C'est l'originel. Il y a un titan originel. Et pour moi, ça, c'est le flop originel qui a donné une carrière à tous les autres flops. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait. Genre Hein? même les Vous rires à foutiez de côté. l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. Non, et surtout qu'en plus, les rires à côté, c'est une folie furieuse. C'est fou, il y en a plein d'autres avant. Moi, j'en ai. Moi, en vrai, c'est. Attends, attendez. 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 Ah ouais, non, mais celui du cowboy, il est trop légendaire. Celui du cowboy, il est trop légendaire. Ah ouais, celui-là, c'est. Ah, celui-là, c'est la pire blague de l'histoire. Celui-là, c'est vraiment la. Extraverti. Et ce soir, je Non, trouve un petit peu ceux qui moins connaissent pas celui-là, leader, un petit peu moins à raconter des c'est dingue. histoires. Martine trouve que son hôte ne lui raconte pas Ah assez ouais, d'histoires. putain, c'est trop Eh bien, classique. aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait. Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et tu lui fais. C'est moi, pourquoi? Et le petit cow-boy, il fait. C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Dans cette soirée et que... Non, 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 non. Et comment s'appelle l'autre aussi? Attendez, attendez, quand même. En général, je suis pas un poulet émincé. Elle vous propose, tu présentes ton menu. Et attendez, je n'ai pas trop. D'y répondre. D'abord, c'est ça. D'abord, j'énonce. Oui, après, voilà, ce soir, le chef vous propose. Voilà. C'est Allez. Ferme-toi. C'est pas l'inverse. Le chat, c'est qui le patron? T'as pas à t'excuser. Bah, t'as juste clair. À présenter. En plus, t'as proposé. Les plats, donc tu sais de quoi tu parles. Écoute-moi, arrête de me couper là. Attendez, attendez, attendez. D'accord, écoute ce que je te dis. Écoute, ce que je t'ai dit. Tu écoutes que je le pose. Et Par donc, contre, dans je aucun autre monde, Philippe Etchebest a une petite j'ai bite. Toujours peur, on dirait, devant ce que je. Ça, j'écoute. Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Toi aussi. Si, si, non, si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr, mais donc c'est vrai que. Oh. Allez. Voilà. Bombe le torse. Bombe le torse. Menton. Le menton. D'accord. Ouais, c'est à vous. Et souris. D'accord. Hein? Sourire avant tout. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. On dirait Donald Duck. Donald C'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Alors, montre-le que c'est toi le patron. C'est moi le patron. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi. Ok, attends, j'ai démoli la mauvaise maison grutier belge. Oh là là. Attends. Attends, parce que moi, je veux voir... Non. Attends. Ah ouais, peut stop. Attends. C'est que... Oh putain, Enjoy Marseille face à Sonia Dubois, la grosse émission. Metteuse en scène. Oh putain, celui-là, je l'ai jamais vu. Oh, celui-là, j'ai jamais vu, c'est de l'inédit total, les gars. Je l'ai jamais vu, c'est de l'inédit total. Inédit total, pardon, j'arrive pas à parler. Metteuse en scène. Oh là là. Oh non, salut, c'est pas possible. Je reviens pour de nouvelles assises. Non, c'est pas possible, salut, stop, bébé, je vous aime, mes amours, je vous aime. Julien, tu sais que c'est la dernière fois qu'on se voit. Après, je vais trop te manquer. Non, sois pas si sûr, crois-moi. Il veut pas montrer qu'il est ému. Il est trop mignon, mon bébé.
c'est Sonia Dubois. Ouais, oui, tu es un bon je vous lèvres. Adore. Je vous adore. Je vous fais le bisou. Oh, je vous adore. Eh, vous êtes contente de me voir. Elle est trop contente de me voir. Tu le sais qu'elle est contente. C'est que je suis Sonia. Marcavi. Ouais, vous êtes marquée. Sonia, voilà, j'aimerais juste, avant de commencer, vous poser une petite question. Madame Dubois, vous avez un lien de parenté avec Thomas Dutronc? Dutronc, Dubois. Oh, c'est marrant. Elle c'est pas de l'humour à bois, ça t'as compris? Heureusement que ça s'appelle pas Sonia Revolver, sinon j'aurais fait des vannes à deux balles. Faut se calmer. Là c'est. Aujourd'hui je suis bon, en forme. Mais quoi, il gère rien aux event. Il est jaloux parce qu'il a pas compris la blague. Mais je le crois. Non, bah si, Dubois, Sonia Dubois, bien sûr. Alors Sonia, vous qui êtes une femme classe et distinguée, un peu comme moi quoi, hein, vous allez être trop d'accord avec mon coup de gueule. Attention. Ah le coup de gueule. Position, coup de gueule. Non. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule contre tous les cadavres de séries policières. Le thème blanc à la Mylène Farmer, ça suffit. C'est démodé, les gars, je vous le dis. Non mais attends, les mecs, il manque plus que le sourire bright à la Jean-Marc Morandini et tu les envoies direct dans le train fantôme à la Foire du Trône. Moi, je te le dis, c'est un truc de fou. En plus, c'est démodé, ils l'ont tous fait, le thème blanc, les cadavres, tous. Dans les experts, LCIS, Michel Drucker. C'est terrible. C'est bon, s'arrête là. Hein. C'est terrible. Il n'y a qu'une seule série qui nous sauve. C'est Plus belle la vie. Là, c'est les vivants qui sont maquillés comme des cadavres. C'est terrible. Aujourd'hui, je suis trop en forme. Elle a kiffé la petite Sonia, hein, je l'ai vue, elle a kiffé. Alors voilà, là, je vais parler à tous les réalisateurs de séries policières. Vraiment. Je vous propose une petite astuce. Pour vos cadavres, vous les maquillez avec un petit teint allé. Genre, allé, c'est peut-être pas le plus beau jour de notre vie, mais au moins, on meurt avec du style. Tu vois, là. Là, c'est moche. Là, mais il n'y a rien de marrant, là. Regarde, c'est classe, là, c'est élégant, c'est sophistiqué. C'est intolérable. Voilà, c'est ça que je vous propose. Voilà, c'est la fête de ma chronique. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est mort qu'il faut se laisser abattre. Allez, kissou. Voilà, oui, c'est un canal, ça. On se la rampe en ce moment. Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête qui a validé cette merde? Non, c'est des assassins. Oh putain, top 10 des plus gros bides à la télé. Alors c'est vraiment la vidéo qu'il me faut. Top 10, genre. Devinette. Pourquoi le 6 a-t-il peur du 7? Alors ? Et pourquoi ? Je sais pas. En fait, le 6 n'a pas peur du 7. Oh putain, il y a 8 ans ! Les chiffres n'ont pas de sentiments, donc ils ne peuvent pas éprouver de la peur. Ah. Voilà. Non mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Oh, le montage t'a peur ! Heureusement que je ne suis pas le seul à ne pas être drôle. Oh, le montage t'a peur ! Pour vous prouver, voici le top 10 des plus gros bides. Et à la télé, s'il vous plaît. Numéro 10, notre cher président qui n'a déjà pas la cote en ce moment, désolé. Le bide, ah ouais, c'est maintenant. Mais ça date de fou, ça. Dans une campagne présidentielle, il faut savoir se mouiller. Mais ne jamais être trempé. Numéro 8, Arthur qui présente les Energy Music Awards n'est pas comique qui veut. Le téléchargement, c'est pas bien. On peut finir en prison. On assiste à des scènes d'une rare cruauté dans les cellules. T'as fait quoi, toi, pour en arriver là? Bah, j'ai tué ma femme à la hache. Et toi? Bah, moi, j'ai téléchargé le Roi Soleil. Voilà. Si, je pense personnellement qu'il faut peut-être arrêter les comédies musicales historiques, parce que moi, je vois le fils de mon copain Steve. Quand à l'école, on lui a demandé qui était le conseiller de Louis XIV, il a répondu Kamel Wally. Jean le gars, humoriste. Numéro 7. L'intervention de Enrico Macias chez Laurent Ruquier, il n'y a pas de honte à être mendiant de l'humour. Moi je dis que c'est pas le vrai maillot de l'équipe de France, c'est pas eux. Si, si, c'est le maillot quand ils joueront à l'extérieur. Non, il est à rayures. Il va pas
Tiens, rayure. Oh ouais. Non, celle-là, c'est un banger. Mais c'est un banger, mais personne la comprend. Genre, c'est un génie incompris pour moi. Très très fort pour moi, sport motor. Ça va. Numéro 6, sur la chaîne étudiante MCE, quand on croit avoir trouvé le relou de la soirée, il y a toujours pire. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va la famille? Soirée Adèle, ça déchire. Poulet! Ah oui, frérot. Attention, attention. Bonjour. Ok, pas génial, mais bon, ça va. Numéro 5, Monsieur Zinedine Zidane. Oh non, putain, par contre, respectez Zinedine Zidane. Eh, les gars, même si Zidane, il a sorti une vanne qui n'est pas drôle, on fait genre mort de rire, parce que c'est la légende, on le respecte. Est un dieu vivant, mais pas de l'humour. En fait, ce mec, il a une voiture, en fait. Une belle Ferrari, tu vois, il arrive dans un café, il rentre, il pose sa voiture juste devant le bar, il boit son café, il rentre dans le café, il boit son café, il y a du monde, tu vois, partout. Il ressort, il n'y a plus sa voiture. Oh. Bizarre. Et il rentre dans le café, il dit plus rien. Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup, là. Il dit, je vais compter en 5. Et celui qui m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait. Il y a 5 ans, mon père, dans ce même bar. Le mec est purée, il a fait chier, il est purée, qu'est-ce qu'il a fait son père? Et il compte 1, 2, 3, 4. Il dit, bon, ça va, te rendre ta voiture, tiens. Il remonte dans sa voiture, il s'en va. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ton père à 5 ans? Il repart à pied. Rentre chez toi. Ah la masterclass! Ah la masterclass! Ah oh, j'ai jamais vu ça de ma vie! Ah oh, masterclass total! C'est pour la blague. Numéro... Oh, masterclass total! Ah oh, j'ai kiffé! Oh le goat de l'humour! Merci Zizou! Aussi fort sur les terrains qu'en dehors! 4, sur le plateau du canal Football Club, incroyable. Hervé Matou rebaptise le joueur Cheikh Diabaté. J'ai pas compris sa blague. Oui, c'est vrai, qui était handicapé par ça. But de Harlem Cheikh Diabaté. Oh ouais, putain, il est brillant celle-là. Ah d'accord, oui. D'accord. Oh putain, oh la blague Harlem Cheikh, transition avec Pierre Ménès. Non, cette blague c'est un classique, pour moi c'est un classique. Cette blague est un classique, j'ose le dire. Et pas de moi donc, voilà. Merci pour ce triomphe. Merci pour ce triomphe. Numéro 3. Oh bah là, voilà. Il est presque parfait. Là, voilà. Voilà ce qu'on appelle une grosse ambiance. Là, les gars qui rentrent dans le saloon. Dans super le énervé. Un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait. Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Ouais. Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait. C'est moi, pourquoi? Et petit cow-boy, il fait. C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Mais ça, tu vois, genre, c'est le temps mort de la blague. Genre, c'est vraiment le classique. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Numéro 2. Ah bah voilà. L'interview de Kev Adams. Tout simplement la meilleure intervention de l'histoire. Attends, mais ça veut dire, c'est quoi le premier en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, non, même pas. Je dis, tiens, écrivons des blagues avec des mais copains quoi, et premier, tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire. Et en fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire en fait. Hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Ah voilà, ça, voilà. Ça, les gars, c'est de la merci blague. Beaucoup. C'était Redon ouais. Argen. Ok. Non, mais ça, c'est un banger. Ça, et c'est un banger. Et numéro 1. Oh putain. Un grand classique au petit journal de Yann Barthès. Oh putain. Ça, c'est du vrai big up. Moi, je passe une spéciale dédicace à mon négro, Michel Denisot. Spéciale dédicace au Pick Up. Ali Badou. Adams G. Black G. Moulou, toute l'équipe du Grand Journal. Et voici un autre exemple de big up, le big up qui vient de Versailles. Ah ouais, à toute ma famille, à Jason, à tout ça, à tout le monde, ceux qui me regardent. 78 78 Ouais, 78 big up. Ah, lui, il est trop gênant. Voici un gros bide. Ce soir, Snoop Dogg.
Snoop Doggy Dog. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'était bon, alors on va analyser l'image de ce bide. Alors là, nous avons trois séquences hein, sur cette image. Aïe, 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 aïe. On voit bien le moment où les potes ont honte. C'est ici où on voit que le big up du copain est honteux et il ne va nulle part. Tout est dans les yeux. Non, le deuxième moment c'est pas de un peu compliqué. C'est le moment où ce dangereux du 7-8 s'aperçoit qu'il fait un four. Là, encore tout est dans les yeux. Et troisième moment d'analyse, le regard, le véritable SOS des copains qui en dit long. Ça, c'est un bon bide. Voilà, c'est tout pour ce top 10. Non, non, c'est pas de parcours, c'est des gros bâtards. C'est des bâtards de fou, tu peux pas le laisser comme ça. Oh putain, Christelle Canals grandit et évolue, inquiétant, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, oh putain, ouais. Oh putain, ah ouais, non. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Celui-là aussi, c'est un classique, hein. Celui-là, c'est un gros classique. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait, hein. Moi, par exemple, tu vois, je suis plus une enfant, mais je suis pas encore totalement une femme. Enfin, à part pour quelques pervers, hein, bien sûr. Bonsoir, monsieur. C'est gênant. Je suis allée demander à mon père, il m'a dit, qui ça? Toi, tu veux devenir une femme? C'est non. Et je te préviens, si je vois un T5 qui pousse, ah! Du coup, depuis le blocage, quoi. Hein. Oh putain, c'est la vidéo humoriste. Ah, c'est la vidéo de Diane Cujo, ça. D'ailleurs, attendez, hey, Diane Cujo, qu'est-ce qu'il devient? J'ai l'impression qu'il a pas tweet depuis son dernier tweet. Il date de quand? Dylan Cujon. Son dernier tweet date du 1er février. Qu'est-ce qu'il devient? Il arrête? Il a été la Twitterie? Envie de mettre fin à ses jours. Numéro 3. Oh non, celui-là, on vient de le voir, passe le infligé. Oh non, en vrai, même celui du milieu, il est trop curieux. Ah non, celui du milieu, on l'a déjà vu. Attends. Oh putain, celui de Kev Adams, par contre, il est exceptionnel. Gros humoriste. Gros malaise d'un humoriste. Numéro 1. Ils sont studieux. Oh, vous êtes bien. Bah oui. On est très très bien, mesdames et messieurs. Je pense que les meilleures cartes, ça reste le plus 2 et l'interdiction. Le double interdiction pour... Non, pas le double, le simple. Simple. Ouais. Parce que tu peux laisser la double. Bah moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Le mieux, c'est la double. Non, mais vas-y, ok, revenons une game, on va voir. Parce que moi, je me disais, si par exemple, on s'autorisait de mettre une fois. C'est insoutenable. Un plus 2 sur un plus 2, ça pouvait. On aura une autre activité qui va se préparer pour nous. Ah, sympa. En tout cas, au niveau des points, ça a moi, changé beaucoup. Moi, tant que ça reste chose. Une tournante. Ah, ouais. Ah non, c'est insoutenable. Kalina, ton vrai prénom c'est Kalina. Kalina? Oui. Oh, c'est mignon, Kalina. C'est quel projet? Bien. C'est Guyanais. C'est Guyanais, ça? Oui. En vrai? Sérieux? Ok, ah, c'est marrant. T'es né en Guyane? Non. Mes parents ont vécu en Guyane. Tes parents ont vécu en Guyane? Tu ne t'es pas né en Guyane? Non. C'est marrant. Kalina, c'est hyper mignon. On dirait comme une petite Kalinade, mais sans le D. Kalina. Oh, tu crois quoi, moi, à l'école, tout le monde se foutait de ma gueule. Merci d'avoir visionné ce... le truc avec Katsap, il était... Waouh. Oh putain, le pauvre Dwagby, il doit host ce genre de choses. Oh putain, ça m'aurait effrayé à sa place. Assurance Touriste, merci pour le cinquième... Ah, maintenant, je peux remettre mon sub goal. Ah oui, c'est vrai, mon sub goal, c'est de lire le livre d'Astérion. Attends, je peux le remettre. Ah oui, c'est vrai que mon sub goal, livre. Attends, live, lecture, livre à Astérion. Je pense que ça sera le pire live de l'histoire de ma chaîne, par contre, hein, vraiment. Attends, c'est quoi ça? Top 3 des moments les plus drôles de Camille Lelouch, alias l'humoriste la plus drôle de. On peut t'envoyer des vidéos sur Discord. Si tu veux, envoie des vidéos sur Twitter. Envoie des vidéos sur Twitter en DM, c'est plus simple. France. Numéro 3. Ou non, alors sur Discord, je vais peut-être faire un channel. Je vais faire un channel bid. Je pense que c'est plus simple. Attendez, je vais faire un channel en vrai sur mon Discord. Je pense que ça va être plus simple. Ah, mais mon Discord là, qui se met à jour. Hein. Ce genre de vidéo avec montage, ça fait très prédateur aussi. Comment ça, Gizmo, très prédateur, je comprends pas. Fais gaffe, peut avoir des dingueries. Ah ouais.
Ah ouais, non, c'est vrai que sur Discord, compliqué. Sur Discord, compliqué. Donc on va plutôt faire un DM Twitter. 3. Coucou Léo, j'espère que ah ouais. Tu... Oh, oh, cette vidéo, mon Dieu, je l'avais oubliée. Oh là 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 là. C'était quand Messi venait de signer au PSG ou un truc comme ça. Ah, voilà. Bah bien, félicitations hein, pour Paris. Franchement, c'est grave taïf. Ton évolution jusqu'à Paris, c'était soit un Pokémon, soit un collier Amazon. On sait pas ce que t'es vraiment. T'as de l'argent, c'est chiant, mais donne un peu pour toute la merde. T'as vu, en ce moment, c'est un peu la merde à ça. Énorme. Oh le bâtard. Numéro 2. Ma stratégie, c'est en fait d'être offensive. Je me suis dit, non. Quand même avec des monstres de l'humour. Ouais, des monstres de l'humour. Non, faut respecter Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, faut la respecter parce que moi j'ai trop kiffé un gars et une fille, donc on la respecte. Moi je l'aime bien, Riyad. Vous êtes des bâtards avec Riyad. Moi je l'aime bien, j'ai bien aimé son film. Par contre, je soupçonne grave qu'il y ait quelqu'un chez moi. Attendez les gars, parce que vraiment, depuis tout à l'heure, il se passe un truc bizarre, les gars. Je regarde parce que je crois qu'il y a quelqu'un chez moi, no fake. Bizarre. Non les gars, c'est pas Florian Tell. Non, c'est pas Florian Tell. En fait, c'est qu'il y a des travaux genre vraiment derrière ma porte. Il fallait que j'ai quelques cartouches en plus des autres. Karine Lalouche. Oh my god. Ah ouais, en plus je reviens sur ça. C'est moi dans une autre vie quoi. Si j'étais pas artiste. Ah ouais, mais ça ouais. Oh là là. Ok. C'était dur. C'était très. Mais c'est très dur de. Dur de quoi? Bouge un suceur. Numéro 1. Et ça fait zoom, bah café. Hein. Café ou carnaval? Je suis dans le 4, 4, 1. Tu fais? Je répète, j'ai un concours de rap contenders. Ah oui? C'est quel genre de rap? Merde. Je voulais dire rap moyen nul ou plutôt très nul de merde? Rap. C'est insoutenable, hein? Ouais. Quoi? Non, reprends, vas-y. Ça fait zoom, bah café. Putain, j'ai perdu le truc. Ouais. C'est quand? Dans un an. Mais t'es large, ça va. C'est insoutenable. Merci d'avoir regardé ce top. Merci contre, Camille Lelouch le pour tout ce que tu fais pour la France. Tu es si drôle. Attends, je regarde juste un truc. Non, en vrai, va niquer. Ouah, sévère. Camille Lelouch, on peut quand même l'embrasser. Mais attendez, vous m'avez envoyé des trucs sur Twitter et qui ont l'air de bien m'effrayer aussi. C'est quoi ça? Oh putain. Ah ouais, Max Hildan, c'est un classique. Le truc de Max. On parlait tout à l'heure, mec, Max. T'as un enfant. Et il lui propose 1 million pour pulvériser sa mère. Femme. Donc c'est ta femme. Et là, tu le prends comment? Un million. Tu fais oh. Pour 1 million, tu dis oui. Tu sais, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils s'aiment vraiment, mais... on est pour les juger, machin, tout ça. C'est qu'une question de mœurs. Tu... Donc, pour 1 million, juste un coup, ça se discute. Curieux, là, c'est non, super non, curieux. Je sais pas. C'est pas à moi de décider. T'as parlé de frères et sœurs s'ils s'aiment vraiment. Ouais, moi ça me choque pas, tu vois. Il y en a plein des frères et sœurs qui se kiffent, tu vois, mais bon, ils peuvent pas parce que. Ouais, doucement. C'est juste que ça fait des trises en fait. Et bah, ils sont pas obligés de procréer, d'accord. Ils peuvent vivre une vie ensemble heureux, d'amour, sans procréer, non? Bah non. Bah si. Bah pourquoi pas? Non, mais je te parle d'amour, je te parle pas de faire des enfants. T'es fils unique? Oui.
D'accord. Il était premier degré, ben je crois. Hein. Tu peux pas empêcher des gens de s'aimer, point. C'est... Max, Max, il aurait été. J'ai juré, il a raison, mais comment ça, j'ai juré, il a raison, mais pour vous faire. Un fils unique, il aurait détruit toute sa famille. Ah, je te raconterai bien des trucs sur une cousine, mais bon. Wesh! 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 Ah, yo, 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 yo! Oh putain, la petite cousine, elle a rien demandé, attends. Texte. Ah ouais, bah la cousine, c'est un malade. Eh les gars! Les gars, si vous voulez partager des bids, je vais vous mettre le lien du Discord. Et vous m'envoyez vos meilleurs bids et vous mettez ça sur le channel bid. Et moi, je vais juste vérifier s'il n'y a pas des conneries. Attendez. Si vous avez des vidéos insoutenables, pas vos bids, pas vos ventres, hein. Voilà. Tac. Envoyez. On va mater un petit peu ce que vous avez à proposer. Ça va faire une Adine Ross. C'est qui Adine Ross? Adine Ross, c'est qui ce mec? Mais il y a un mec qui m'a envoyé plein de vidéos par contre. Il y a un mec qui m'a envoyé plein de vidéos. Alors attends que je regarde juste DM Twitter, juste que je m'organise. Quand Max est... Ah oui, aussi celle-là, un classique évidemment. Non mais bon, ouais, moi je... Oui, non, mais c'est genre, il a écrasé une ruche d'abeilles et mon pote... Non, c'est pas drôle, non. Non mais bon, ouais, moi je... Oui, non, mais c'est genre, joli, il a écrasé une ruche d'abeilles et mon pote... Non, c'est pas drôle, non. Ah, un lucky. Il a pris genre 106 piqûres, il était... Oh, non. Il y en avait partout et c'est il a failli die. Parce qu'en gros, quand t'es un gamin et que tu prends 106 piqûres d'abeilles, bon... Bah t'aimes plus le miel, pups. On va passer à la chronique suivante, n'hésitez pas. Hein, et... non, pour moi, le bid est légendaire. Pour moi, le bid est trop drôle. Genre, le rire et la blague, c'est de la légende. Il a failli die. Parce qu'en gros, quand t'es un gamin... Ah non, non, non. Oui, c'était, non. Bon, oh, wow. Bah t'aimes plus le miel, pups. On va passer à la chronique suivante, n'hésitez pas, hein, évidemment. On va passer à la chronique suivante. Trop fort. Non, la transition, elle est... La transition est très très forte. Attends, merde. Une petite seconde, tac. Attends que je mate aussi ce que tu m'as envoyé, toi. Quand Maxildan dérape... Oh putain. Ah non, mais ça, non. Ça, j'ai trop de pitié avec les gens comme ça. Ça, j'ai trop de pitié avec les gens comme ça parce qu'ils demandent... En fait, ils ont rien demandé, genre sous Looney Tunes. Putain, ce gros minet bleu, shiny. Frenchie. Ah, je pensais que ça allait être ça, mec. Non. Frenchy bras levé, Frenchy bras en l'air, Frenchy fait tourner non, c'est tous les Frenchers de la terre. Frenchy pour danser, Frenchy sait le faire, Frenchy est expert pour distraire toute la terre. Frenchy lé lé lé, Frenchy lé lé lé, Frenchy lé 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 lé, Frenchy lé lé lé, Frenchy lé lé lé, Frenchy lé lé lé. Ouais, par contre, la tête de la meuf est effrayante. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Mais ouais, y'a qu'avec Frenchy qu'on peut fluncher, fluncher pour se défouler. Y'a qu'avec Frenchy qu'on peut fluncher, fluncher comme vous voulez. Si t'as la mémoire qui flunche, que tu te souviens plus très bien. Oh putain! Là, c'est un flash pour trouver le chemin, chanter tout ce refrain. Fluncher lélélé, fluncher lélélé, fluncher lélélé. Tu danses au flunch, des planches au lunch. Ouais, mais ça en vrai, moi c'est plus les ouvriers qui. Enfin, les ouvriers, pardon, les employés qui me font de la peine. Les employés ils me font de la peine, ils sont retenus en otage. En fait, s'ils le font pas, ils se font virer. Donc, bon, en soi, ils ont pas le choix, mais c'est bien moche. C'est bien moche. Vraiment. Alors attends que... Putain, mais tout ça en plus, ils sont payés une misère, ça me fait de la peine. Oh putain, vous m'avez envoyé full vidéo. Ah non, là les gars, là c'est trop un classique. Là les gars, je suis désolé, mais... Là les gars, je suis désolé pour vous, pour tous les cassés du chat, et j'en suis le premier, je kiffe la Carmine.
Et là, le chant numéro 8, je m'en rappelle. Ah, oh, cassec, pa la 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 la, la Midlane, il est le roi, chacun doit diriger la roi. Au casse sa gueule. Au casse sa gueule. Au casse sa gueule. De la Mylène, il est le roi. Pas de roi, il a fifé sa loi. Les balles, les rails open. Au casse sa gueule. Oh putain. Ah oui, j'avais oublié la suite. Hé hey. Nous, on mange des cartes graphiques, pas des micros. Ah ouais, putain, effrayant. Fuck Vitality. Ah ouais, non, c'est... On n'est pas en direct, là, non, non, non. Non, pauvre dog. Bon, les amis, vous le savez, voilà. Non, le pauvre dog, en plus, il est toujours en train de subir les bides monumentaux, les bides. Entre lui, entre Kev Adams. On laisse profiter, forcément, il y a toute la déception qui sort. C'est des vrais moments de vie, voilà, c'est ça, vie. C'est l'amour, c'est un douag. Et à partir de ce moment-là, bizarrement, à partir de ce moment-là, Carmine qui commence un peu à battre de l'aile. Je dis ça, je dis rien, bizarre. Si, pour moi, il y a des rapports entre tout. Hein. Attends. Kev Adams, c'était pire. Oh, celui-là, il était coriace. Oh putain, vas-y, ça envoie ça, frère. Attends, je regarde la date, on est en 2023. On est en 2023, ça envoie ça. Ah ouais, putain, waouh. J'en vois, il y en a, ils envoient pas mal. Oh putain. Et maintenant, place à l'humour. Non. Alexandra Pizzagalli. Non, celui-là, on l'a vu. Alexandra, bienvenue sur le plateau. Non, celui-là, on l'a vu, même qui s'est fait, elle s'est fait couper par le jiggle de France 2. De Télématin, on vous laisse la parole. C'est trop une dinguerie, celui-là. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Elle est sous-tise, là. Hein. Mohamed Laouej Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. C'est trop raciste. C'est trop raciste. Je vais m'y employer. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Ricky Martin. On valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et arrête de lire le prompteur. Qui n'a jamais... C'est normal. Non, on va y aller point par point. Mari extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché aussi. Ou pire, en donnant son avis sur... en donnant son avis, en fait, tout simplement. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies, il y en a bien qui préfèrent regarder télé matin plutôt qu'aller au pif les minicums, on va pas en faire tout un foin non plus. Et zoophile, en même temps, zoophile, ça se comprend, à Nice, il y a que des vieilles et des chihuahuas, on a quand même le droit de préférer s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Ah oh ouais, curieux de ouf, mais elle s'est pas fait de virer après. Les salades d'Eslam, qui, je le rappelle, sont au terrorisme, ce que Rafael Nadal et Roger Federer sont au tennis. Supporter lambda, notre Momo, certes pas très original. La comparaison est douteuse. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais, comme moi. Tout comme moi, pareil. Alors pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme Orchestre. Ah oui, elle s'est fait couper, ma mère, elle s'est fait couper. Elle s'est fait couper par la pub. Mais là, je me demande la réaction de ses supérieurs et tout. Qu'est-ce qui... Comment ça, pas mal les MZS? Comment ça, pas mal les MZS? Ah, putain. Ah ouais, putain. Non, là, la pub, elle a sauvé tout le monde. Elle s'est fait virer. Apex, t'es où? Comment ça, pas mal les MZS? Comment ça, pas mal les MZS? T'es où? Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? T'es où, là-bas? Professeur John Victor, à votre écoute, chers internautes du soir. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon, plus couramment appelé la Poképhilie. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Enfin bref, pour en revenir au sujet, attends. Les seraient mentir. C'est moi! Oh, le sourire!
Ah ouais, là, c'est... pour moi, c'est une photo de profil. Pour moi, c'est une photo de profil. Enfin bref, pour en revenir au sujet, les possibilités érotiques avec les Pokémon sont infinies, tellement leur nombre est gigantesque. Imaginez un Lipoutou vous prenant pour une sucette. Sac de nœuds pour les fondus des mangas avec les tentacules. On pourrait même trouver une utilité pour le poireau du canard-tichot. Cependant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel Pokémon. En voici plusieurs exemples. À moins d'être sadomaso, ne demandez pas à un insécateur ou un crabos de vous faire une branlette. Ah, je crois qu'on est sur la plus... je crois qu'on est sur la tête la plus légendaire de l'histoire, là, les gars. Genre, vraiment, là, c'est la tête... Ah putain, c'est... Non, on est... Franchement, les gars, profitons de ce monstre. Profitons de ce monstre. C'est pour moi, c'est comme Léo Messi, là. C'est comme Léo Messi, c'est comme CR7. On est face à quelqu'un, on va pas retrouver semblable. On va pas retrouver quelqu'un d'identique. Pas d'acte quel qu'il soit avec des Pokémon de type électrique dans votre baignoire, où vous connaîtrez le même destin que Claude François. Ne vous trompez pas de queue avec Dracaufeu, où vous risquez d'avoir le feu au cul. Fantominus n'est pas une boule de Gaïcha. Je vous déconseille fortement les Pokémon de type Psy. Avec leur attaque hypnose, vous risquez de vous retrouver dans des situations auxquelles vous n'avez jamais songé. Rayage de casque si vous le faites avec un Pokémon de type roche. Celui qui demande une... Non, attends, la tête... Non, mais la tête, c'est... Non, mais il y a que de la légende, là. Là, pour moi, c'est l'équivalent de dans la légende de PNL, ce qu'on est en train de voir, vraiment. Celui... Là, les gars, rendez-vous compte qu'on est en train de voir le plus gros classique de l'histoire d'Internet, là. C'est moi. Celui qui demande une branlette à un Smogo ou à un Oneuf est une tête de nœud. Dernier point avant de vous quitter, si l'envie de fantasme sur des Pokémon ne vous botte pas, il reste toujours le professeur Shen. Voilà, il vient de plier un classique, les gars. Il le sait. Il l'a plié, son classique. Ah, putain. Oh, je suis désolé. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Oh putain, c'est un ouf. C'est un fou. Ah, il doit me détester, ce mec. C'est une dinguerie. Il doit me haïr. Vraiment. Ah putain. Sous Docteur Lulu. Ouais, il a posé un classique en 1 minute 30. Il a fait meilleur que plein de rappeurs. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est Béatrice Dalle! Faut passer quand même. Bah là, tu parles d'exemple que oui, je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes Zikos, quoi. Ouais. Vous faites plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. Oh, on a fait ça deux fois pour gagner un peu de sous. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse. C'est que jamais vous avez... Personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Non, mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé? Ouais, elle est bizarre. La gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois, on s'était fait un plat, on voulait le manger parce qu'on avait pris un acide. Alors tu sais, on peut bien couper les mains quand on pense à le manger. Non, ça par contre, c'est bizarre. Et vous l'avez mangé? On a goûté. Une oreille? C'était de l'oreille. Oh là là, c'est pas grave. De toute façon, le mec, il s'est pas plaint. Hein. Il savait même pas que j'ai mangé ses oreilles. Bah, il est mort! Ah, t'es trop bizarre! Mettez ça au passé quand même. Bah, là, tu parles d'exemple que oui, je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes Zikos, quoi. Ouais. C'est Joey Star qui s'est tapé Béatrice Dalle, on est bien d'accord. Joey Star, il est sorti avec la selle, putain, effrayant. Quentin, c'est quoi cette vidéo, Quentin? Et là, je suis en train... Ah ouais, non, mais là... Ah ouais, non, putain, 7 minutes d'Astérion, les gars. Ah, c'est de la dinguerie. 7 minutes d'Astérion, putain, c'est de la putain de folie. Comment vous faites pour avoir des compiles de ce mec? Ah, vous êtes des malades. De prendre mon air consanguin, plutôt mon air... pas consanguin, mon air... curieux. Hautain. Une PS5 en vide-grenier à 100€, quoi? Peur, Koubé, chi... Bonjour à toutes et à tous. Nigger, retour, nigger, nigger. Oh, fils de pute, nique ta mère, oh putain.
Astéréon, enfoiré, t'as fait tout ça, pour me nuire, pour me nuire. Non. Et moi je le dis pas, donc en soi, c'est pas moi. Je baisse ta mère. Wesh. Je baisse ta mère. Ah ouais, curieux. C'est pas sympa par contre de lui dire de baiser sa mère. Wesh, j'en manque plus qu'un avant le train de la hype. Lâchez un sub, les gars. Ah, il en met du temps à sa cogite. Sauf que t'as confondu avec la vache du champ d'à côté. Chut. Après, si tu arrives pas à faire la différence entre une femme et une vache, faut que t'ailles chez l'opticien. Chich, papa. Il a dit les termes. Il a d'être ça. Et le pire, c'est qu'il insulte sa mère. C'est ça le pire. L'opticien. Utilise ton âme pour une femme. Relève-toi, lève-toi, la vie est extrême. Tu vas au ciel, lève-toi. Un curieux. Utilise ton âme pour une fois. Lève-toi, lève-toi. Alors bon. Après, j'aurais bien aimé renifler le micro. Voilà. Hul, c'est pas grave. Il semblerait que ce soit toi parce que t'as modifié ton pseudo tout à l'heure. Je peux vérifier avec le Discord et j'ai des gens qui peuvent le faire, mais c'est pas grave. Voilà. C'est difficile de cacher son identité sur un Discord, hein, tu sais qu'il y a des traces. Oui, il y a les bots qui se voient, qui restent sur modification. Hein. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que t'es venu, en tout cas bizarrement, pour défendre Astéréon. Alors j'imagine que t'imaginais qu'il y a un drama et que j'allais me foutre de sa gueule ou je sais pas quoi. Malheureusement, je connais aussi Astéréon. D'accord. Alors, en tous les cas, je sais que c'était toi sous le pseudo Lulus tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ah, stop, c'est lui. Ouais. Donc, Acid Burn, cellules alors. Mais alors, je comprends pas. Donc, Acid Burn, j'en étais sûr. Écoute-moi, Luz, écoute-moi bien. Comment ça se fait que toi, tu prends plaisir à te faire passer pour d'autres gens? Est-ce que ça t'amuse, ça? Le jour. Je te garantis que le jour où je retrouve ton nom et prénom, tu vas avoir de sacrés problèmes à la justice. T'as intérêt à bien te préparer parce que là. Tu vas te faire démonter. Ah, flippant. Fallait pas venir avec ton pseudo. Flippant. Donc non. En fait, j'ai les traces en fait. Non, Acid Burn, je veux rien entendre. T'es juste t'es juste content de faire de l'harcèlement, t'es juste content, mais tu es un véritable sadique, t'es une raclure de chiottes. Personne ne peut défendre tout ce que tu fais. T'es juste en mode allez, j'ai décidé d'harceler Astéréon parce que je l'aime pas, sa tête me revient pas, mais je te jure, je te vois en vrai, je te prends par la peau du cul, par les oreilles, et je t'emmène aux flics. Et là, tu devras assumer toutes tes conséquences. Est-ce que... Oh putain, il y a Acid Burns sur le live, mais non, tu déconnes. Acid Burns! Oh putain, ici, il est sur le live, t'as pas honte, espèce de sale con! C'est bien clair. Est-ce que c'est bien compris, Luz? Je te retrouve. Écoute-moi bien, espèce de trou de balle. Je te retrouve. Non, mais je te jure, tu es foutu. Alors maintenant, est-ce que tu peux le dégager, s'il te plaît? Ça, mais à chaque fois, je commence, je joue bien, et après, je joue comme une grosse daube. Connard débile, tu n'es qu'un connard. Mais en vrai, moi, je le pense. En plus, il est pas fondamentalement méchant. Il y a un problème. Il faut l'expliquer. Mais ça a pas l'air d'être un garçon vraiment très méchant. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Non, par contre, je sais pas si c'est un personnage. Je sais pas du tout. Démo. On peut avoir une démo ou pas? Une démo, je peux essayer de tenir longtemps en faisant hey. Bah attends, on peut faire comme ça, attention. Allez, vas-y. Attention, bouchez-vous les oreilles. Attention, fais-nous du Freddie Mercury. Attention. Ok, attends. Yeah.
pas insoutenable. Alors, j'ai rêvé que cette nuit tu étais devenu youtubeur beauté. Oh, ouais, bah après ça restera moins pire que la fois où j'ai rêvé que le Minotaur voulait coucher avec moi. Et au moment où on était dans le pieu, il a retiré le masque, c'était Antoine Daniel qui me disait « Salut bande de salopes ». Alors... Non mais vas-y, là le problème c'est que tu vois, il se met dans la merde tout seul, il est trop bizarre ce mec. Ça c'est des choses, t'es pas censé le dire. Eh, en vrai, il faudrait que j'organise un stream avec Astérion et qu'il me raconte ouais, des anecdotes. Il raconte des anecdotes de fou. Parce que je pense qu'il en a à raconter. Hein. Alors, ça sera moins pire que ça. Après, je pense vraiment que tu peux pas me parler. Mais là, en plus, c'est en anglais, je sais pas. Ah. Rice, wine, vinegar. If you haven't got that. Vinaigre. Fresh lemon juice. J'ai... Qu'est-ce que j'ai entendu, là? Oh, bah, Quoi? If you haven't got that. Vinaigre. Fresh lemon juice. Non. Small drop. Ah putain, il a oublié le V. Le V du V and Word. Bizarre. Ah là. La la la, fais tourner les sauces. Voilà, et hop. Ça fait plaisir. Oh putain. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Mais il a, il a quel âge? Oh putain, 183 viewers, c'est inquiétant par contre. Douyabi, tu préfères moi ou Fanny? Ouais. Ouais, on va passer à la question suivante. Hein. Kirby 54 sur Zen, un avis. Pour moi, Kirby 54 sur Zen, c'est le plus gros classique de l'histoire d'Internet. Genre vraiment, je suis très sérieux. Très 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 sérieux. Si il vient sur Zen, c'est le plus gros classique. Mais sauf qu'il il le fera jamais. Ouais, mais je m'en fous. Je marchande rien. Le mec, il me dit 3 et après, il me regarde, il me dit 2. c'est les gens qui auto-marchandent. Parce qu'ils voient que je suis pas mais en ça, partant. Je comprends pas. Alors, regarde bien. Bon, celui-là, il va clairement, il est pour Avin. Clairement aller à la machine. Oh, la marque Caddy, les gars. La marque Caddy. 50 ans de qualité. 1928-1978. Donc, bah, en plus, ouais, non, par contre, les gars, swatting, ça, c'est pas drôle. Ça, le swatting, c'est pas marrant, les gars. Même, ouais, ça, c'est de la merde, tu vois. Ça, faut vraiment pas le faire. Ça existe encore, le swatting, mais après, ça doit dater. Mais c'est en combien? En 2020? 2023 et tout? Non, c'est dingue. Ouais, attendez, je coupe le live. Sans que je suis paraplégique. Oh, putain, ça, c'est un classique. Cela fait maintenant 3 ans que je te suis, je suis paraplégique et que je suis tes streams dans mon lit d'hôpital. Bah, merci beaucoup à Braila. La vie n'était pas facile tous les jours là-bas et mes parents me mettaient tes streams pour me remonter le moral. Ça a donné énormément de motivation pour recommencer à marcher. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en parfaite santé et je peux enfin me lever tout seul pour couper tes... Ah, ça me fait de la peine. Ouais, mais l'autre, il s'est fait chier à marquer un... A marqué un pavé à la con. Ouais, je suis tombé dedans. Ouais. Ouais, bon, je l'ai quand même banni pour la... Même s'il y avait une chute, j'ai quand même... Oh putain, Kirby, il a un t-shirt Z-Event, il était invité? Il était invité au Z-Event ou il l'a acheté? Banni. Le gars, il s'est fait chier. Ah, il l'a acheté. Ouais, mais... Oh putain, il y a un dernier. Alors... Mais dans ce cas, précise-le avant que des gens perdent leur temps. Oula ! Oula ! Qu'est-ce que tu n'as pas dit, Hilar ? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Oula ! Donc, ce qui signifie... Oula ! Oula ! Je l'apprécie pas, ce que tu as dit. Non, mais il y a un mec qui a dit Yas, imite Kirby 54, mais je crois que ça sera le moment le plus gênant de toute ma vie. Genre, vraiment, T'as pas envie de ça. T'as vraiment pas envie de ça, mon pote. Attends. Attendez, mais... En vrai, qu'est-ce que je peux imiter? Attends.
Attends, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'il dit, ce mec? Qu'est-ce qu'il peut dire, ce mec? Je lui fais pas, moi. Tu vas arrêter de me parler ainsi, espèce de malotru! Oh putain, c'est trop gênant, je suis désolé. Ah ouais, non, je suis désolé. Ah, je suis désolé de ce que je viens de faire, vraiment. Le flop est colossal. Oh putain. Ah ouais, non, c'était tout sauf Astérion. Non, en vrai, de 0 à 10. De 0 à 10, vous mettez combien, là, sur la performance? Yeah, ça va, quand même, il y a un petit truc à gratter. 0. Ah ouais, merde. Ah ouais, 0. Ah mais 0, c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment même rien du tout. 0, je comprends pas, là. Vous êtes assez difficiles, messieurs. Attends, je regarde juste. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ok, là on est good. Refait, non, je vais pas le refaire, les gars. C'était trop gênant là. Là c'était vraiment insoutenable. Et attends, par contre il y a d'autres vidéos. Parce que, attends. Philippe, ta mère. Oh non, putain. Oh non, lui, je m'en rappelle de ouf. Ah non, lui c'est trop dur. Ah, lui, c'est trop dur. Philippe, ta mère. Hanouna et Guillaume Play, franchement, c'est des salauds. Ils l'ont tellement mis. Ils l'ont mis dans la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était pas une question. Ouais, t'arrive. C'était pas une question pour, je sais pas, à Mathieu. Pour hein? C'était prévu la question. Où est-ce que je peux l'emmener en voiture? Hein? De quoi, quand t'as une... Où est-ce que je peux emmener une fille en voiture? Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. T'as rien, moi, pourquoi? T'as déjà pas une fille? Non, mais t'as pas... Faut qu'il faut une fille qui sache conduire, déjà. Ah, non, mais t'as pas le permis. Excuse-moi, mais lui, il fait bien la télé, mais il a aucun charisme. Hein. Aïe. Il est fou, ce mec. Ça va, Mathieu? Celle-là, je l'avais oubliée. C'est vrai qu'elle est très, très intolérable. Tu vas en faire une deux. Vas-y, encore. Sur Gilles Verdez. Sur Gilles. Vas-y. Comment je fais pour la faire rire? La fille. Oh putain, ouais, là il va bailler. Ah, je suis pas très doué pour ça, vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être le con. Ah pas vite. Quoi? J'ai pas envie d'être con. Ah, oula, attends. Posons une à Cyril plutôt, peut-être. Ouais, vas-y. Je peux y aller. Moi, vas-y. Vas-y. Est-ce que j'ai le droit de. Est-ce que je dois payer pour le premier soir? Ah ouais, non, c'est ça, c'est de la folie. Putain, vous m'envoyez des vidéos. Waouh, attends, c'est quoi ça? On se dit de toute façon. Oh putain, ouais, non. Oh, qui se rappelle de le live, les gars? Pour ceux qui ont connu le live, qui s'en rappelle? Fait par Webedia et tout, je sais même pas c'était quoi leur projet de base. Mais c'était intolérable. Ah, c'était insoutenable. On redonnera la date et tout. Merci beaucoup les frères, en tout cas. Avril-mars, Inch'Allah, et avril-mars, beat the shit. On est en 2020. On regardera ça en 2025, tête de Marasque. Ah oui, MTV, vous nous rachetez l'émission. Ah ouais. Merci frérot. Attends, on s'envoie le générique de quoi? Mais on est ensemble. Pub! Plus que deux ans en 2025. Mais je crois qu'en plus, le live, si je ne m'abuse, ça a duré un jour, non? Ou ça a pas duré plus d'une semaine, en tout cas. C'était vraiment ridicule. On est tous partis d'en bas et maintenant on est là. Donc quand je dis starting from the bottom, vous répondez tous now we here. Starting from the bottom. Now we here. Starting from the bottom. Now we here. Let's go. On va. Oh là 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 là. Attends. We here. Starting from the bottom. Now we here. Starting from the bottom. Now we here. Let's go. Oh, ça devait être horrible, mais attendez, il n'y avait pas Domingo qui était dans ce merdier? Venez les annonceurs, on adore ça. Hashtag soulever des grands-mères.
Hashtag soulever des grands-mères. Deux choses, on dédie ce petit bœuf à Kobe Bryant, ce sera donc le bœuf de Kobe. Tanguy Rousseau, Tanguy, comment ça va? Voilà. Merci Tanguy, merci beaucoup. Si on pouvait faire des vidéos de métal à ASMR. Ouais. Ah ouais, le DK, j'y rends le truc encore plus fou. En fait, les gars, vous êtes pas encore prêts. Ouais, bah on est sur le concept. En fait, les gars, vous... Mais moi, j'ai jamais compris c'était quoi le concept de le live. Vraiment, j'ai toujours pas compris. C'est quoi le but derrière le live? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Putain, Webedia, ils font des choses géniales. Ils font des merdiers pareils. C'est une dinguerie, frère. Comment ils ont pu faire un caca comme ça? Avec sa banque? Mais ça arrive. Non, en fait, parce que ça a marché la première fois et après, ça m'a dit le truc est incorrect ou je sais pas. Il y a un point d'exclamation, genre à côté de son moyen de paiement, on sait pas pourquoi. Alors que tu vois, juste là. Il y aura plus d'exister, il y aura plus rien. J'ai pas compris. À côté de son moyen de paiement, on sait pas pourquoi. Alors que tu vois, juste là. Il y aura plus d'exister, il y aura plus rien. J'ai pas compris. Ça va manger des pâtes là. Ouais, du coup, en tout cas, ouais, je pense vraiment que leur système, il est clairement... J'ai pas compris. Super. Là, j'aime bien. Ah, c'est juste un flop. Oh putain, le pauvre Arsène, vraiment. Ah, vraiment, ce bon vieux Arsène. Putain, c'est quoi, ça? Non, le carrefour Villejuif. Carrefour Villejuif, s'il te plaît, épargne-nous ça. Je t'en supplie, épargne-nous ça. Non, ça, c'est trop... Ça, non. Non, on peut pas. C'est trop dur. C'est filmé pitoyablement. Putain, mais les mecs, ils viennent de faire une journée de taf, ils sont fatigués, ils font leurs courses, ils sont pas contents, ça coûte trop cher l'inflation. Et là, en plus, ils font ça en heure de pointe, les mecs, ils attendent, y'a un gros connard en train de chanter. Ah, c'est horrible. Ah, peut-être tu me dis, ouais. Oui. Après, ils ont l'air d'être heureux, donc tant mieux. C'est... Ah putain. Ah, je vais pas tout me taper, par contre, j'aime bien Carrefour Villejuif, mais on va se calmer. Attends, c'est quoi ça? C'est Vic ta mère. Non, ah, sûr, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Non, mais celui-là, on l'a vu, vous avez... C'est arrêtez de m'envoyer toujours le même. Ah monsieur, 7 sur 20, c'est pas normal. Hey, c'est de ma faute si vous êtes médiocre. À part Goré. Ah pardon, Goré, c'est le nom de votre mère. Pardon, excusez-moi. GG, ok. Mais monsieur, je comprends pas, je crois que vous m'avez oublié des points. Hein. Moi, à mon avis, vous êtes Goré. Comment il s'appelle la Miss? Comment il s'appelle le Renoir? Bizarre. Et comment ça les Congolais? Et fais bien avec les Japonais là. On n'est pas Japonais, on est Coréens. Non, ça c'est pas un flop. Tonio Life. Toi genre Matt, ce classique. Non mais ça y est. Attends, celui-là je l'ai vu. Ça c'est quoi? Non, ça c'est encore le même. Attends, pire malaise de tous les temps. Tu as en face de toi un futur apprenti. Oh putain! Oh, je me rappelle de lui! Comédien qui rêve d'être Kev Adam. Ah ouais, non! Donc, je pense qu'il va nous faire un beau petit truc là. Je suis pressé de voir. Oui, ça va?
Alors Alex, tu as 10 ans, tu es au CM2 à Levallois-Perret, il doit bien se marrer hein, dans ta classe. Exactement. T'es au dernier rang? Comment tu sais? C'est une question bête, hein? La mentaliste. Ah, tu penses que je suis une mentaliste? Une journaliste peut-être, mais mentaliste, non. Donc, ouais. À ce que je vois, tu n'as jamais vu de blague. Enfin, blague qui n'a jamais fait rire. Toute la journée, t'es en Kev Adams, là, t'es en roue libre? Toute. Même en manger. Non, celui-là, il est même trop dur. Franchement, je fais le fou. Et donc, je fais mon one man show en mangeant. Enfin, c'est ce matin que je me suis dit que je devais acheter une baguette. Bon, c'est bon. Interrogation d'histoire, surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky. Oh putain. Tu le skis? Trotsky, putain. Ah ouais, ouais, c'était, celui-là, il était dur. Celui-là, il était très très dur.